On va vous dire, je crois que ce congrès, il est très particulier et il revêt une importance très particulière. C'est pas un congrès comme un autre. Je n'ai pas une grande expérience des congrès comme certains, mais je crois que l'enjeu de ce congrès, c'est de continuer à écrire une histoire commune pour le Parti Socialiste ou l'enterrer. Et moi, je n'ai pas envie de l'enterrer. Je pense qu'on est nombreux dans ce sens-là. Et si j'ai choisi de signer Stéphane Le Foll, moi qui ne suis pas une pro et une adepte de l'appareil, comme certains le savent, on donne souvent des boutons, j'ai signé parce qu'il faut un homme fort, certes, avec du charisme, mais au-delà de ça, un homme qui a été loyal, pas parce que la loyauté, bien sûr, est une valeur importante, mais pas uniquement ça, parce que du coup, il est capable d'assumer ce que l'on a fait, assumer le positif comme le négatif. Et il a les épaules aussi pour se regarder, dire oui, il y a des choses que nous n'avons pas réussi, et je peux les porter parce que j'ai été loyale, et je peux les assumer et les expliquer. Et puis je peux assumer surtout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se mettre au vert, qui est la conclusion du mandat précédent. Et donc il est capable d'assumer les deux parce qu'il a été dans la loyauté. Il n'est pas venu, il ne veut pas prendre le Parti Socialiste pour le détricoter, il ne veut pas prendre le Parti Socialiste pour enterrer tout ce qui a été fait précédemment, il veut faire du Parti Socialiste un parti d'avenir. Et au-delà d'écrire un parti d'avenir, ben, il faut le charisme pour le porter, il faut avoir l'envie de faire avec le territoire parce que ça, en effet, c'est important. Et je remercie énormément Stéphane Le Foll pour, sur toutes les campagnes, le travail incroyable qu'il a fait avec les candidats sur le territoire. Moi, je l'ai vu ici, à Blasimont, au fin fond de nos Landes de Gironde. Il est venu dans des petits verres nous soutenir, tout ministre qu'il était, et tout ministre en grande difficulté sur un quinquennat qui était énormément bousculé. Et donc, il sait l'importance des élus territoriaux et du combat territorial, et il sait écouter, et il est très ouvert à aussi l'écoute du citoyen, et j'ai pu le voir à nombreuses reprises. Donc cette loyauté aussi pour les élus qui viennent se battre au quotidien et qui permettent de faire vivre le Parti Socialiste sur les territoires, parce qu'on a une fierté et il sait la porter, c'est nos réussites territoriales quand nous sommes à la tête des exécutifs locaux. Et donc c'est pour toutes ces raisons et plein d'autres, mais pour toutes celles-ci, ce que j'imagine que pour toutes les autres, vous les avez déjà portées, je soutiens Stéphane Le Foll.